Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, c'est Magie Jazzy sur Maurice Douda, la chaîne de Maurice Douda, donc allons-y. Et pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai pas les idées trop claires parce que je suis covidé. Mais je tenais quand même à vous présenter un effet magique ce soir. D'ailleurs, cet effet magique sur le thème de Follow the Leader. Alors, Follow the Leader, vous le savez, c'est Dave Vernon qui a popularisé ce thème, bien sûr. Et là, c'est un ami qui m'a montré cet effet. Pareil, il n'a pas du tout les sources, je ne les ai pas non plus. Cet ami, c'est Patrick Gillet. Je vous invite à vous intéresser à son travail. Je vous mets son site internet ici, ainsi que dans la description, avec une photo. Et vous verrez, c'est quelqu'un qui travaille pour les professionnels, les particuliers. Et puis c'est un ami bien sûr qui m'a montré beaucoup de choses à mes débuts et puis on se montre encore des choses bien évidemment. J'ai appelé le tour Suivez le chef parce que de toute façon c'est tout à fait ça. Et j'ai beaucoup aimé une phase à un moment donné, vous allez voir, qui est assez bluffante, que l'on ne voit pas toujours dans les Suivez le chef. Dans la description, je vous mets bien sûr toutes les promos qu'il y a chez, enfin pas toutes les promos, mais quelques promos intéressantes chez CC Magic. Le travail de Dave Vernon, vous allez voir, n'hésitez pas à y aller pour trouver un Suivez le chef ou quelque chose comme ça. Et puis bien sûr, mon jeu de cartes, des jeux de cartes, fantasy, etc. Et puis les tours de magie grand public. Guyageux, ce soir, nous présente Cascadia. C'est de Randy Flynn. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Les parties durent en moyenne 30 à 45 minutes. Et puis ça se joue à partir de 10 ans et plus. Les plus du jeu. C'est un astucieux jeu de pose de tuiles. C'est un jeu d'optimisation aussi d'objectifs sur le thème de la nature. Et puis enfin, c'est un jeu qui instaure une ambiance très très zen autour de la table. Je vous mets une vidéo explicative et puis complémentaire dans la description Ludovox Ludochrono. Et puis sinon, www.guyageux.fr, les boutiques vous les connaissez, donc n'hésitez pas à les contacter. Pour la magie, vous le savez, c'est CC Magic, mais chez CC Magic et chez Guyageux, vous pouvez retrouver aussi les tours grand public. Allez-y, vous verrez, vous allez vous amuser avec ça, la chaîne et l'anneau, et puis la parade des rois. Je vous laisse avec Suivez le chef, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon samedi soir, un bon visionnage, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Donc aujourd'hui, juste quelques cartes, hein, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et 7 cartes rouges, d'accord. Et puis donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes noires. 3 et 3, 6 et 1, 7 sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 7 noires. On va prendre, tiens, 8 de pique. 8 de pique qui va nous servir en fait de chef pour les noirs. C'est bon, parfait. Et puis donc forcément, ici on va avoir un chef des rouges, le 8 de cœur. C'est bon. Voilà, ça ce sera le chef des rouges. Parfait. Alors regardez bien, attention au mur. Donc rouge, rouge, noir, on échange les chefs. Tac. Et bien par mimétisme, ça fonctionne. Cartes suivent. Étonnant. Hein, bon, on peut essayer peut-être en échangeant les paquets. Tac. Et là. Ça marche. Bah oui. Et pourtant, si on vérifie, ici on a bien toujours des cartes rouges. Et ici on a bien sûr toujours des cartes noires. Ok. On peut aussi tout mettre sur les cartes noires et puis balader d'un seul coup, ben, on n'a que des noirs. Ça c'est assez drôle. On peut aussi mettre sur les rouges et puis là du coup maintenant, forcément on n'a que des rouges. Et puis si on remet devant les noirs devant les rouges, et bien là instantanément, toc, ça revient. Tac, c'est assez amusant. Alors vous pouvez encore inverser comme ceci, puis mélanger les paquets et ça marche à chaque fois.